Salut! Hier, j'étais en show à Victoriaville. J'essayais c'était pour un spectacle corporatif pour les parties de bureau. Il y avait trois compagnies réunies ensemble. C'était vraiment le fun. Sauf que je leur ai dit que je faisais des nouveaux numéros pour mon prochain spectacle. Je teste des numéros, des blagues. Il y a une blague que j'essayais de faire. J'ai jamais été capable de la faire, là. À un moment donné, vous allez voir, il y a un cellulaire qui sonne d'un monsieur d'un certain âge. Drôle de sonnerie. Ça a un peu brisé mon rythme. Puis après ça, on a jasé avec le monde, puis après ça, j'essaie de repartir, pas capable, pas capable. Il y a des nains qui pleuraient, nains qui pleuraient. Pendant 2 minutes 3 secondes, je n'ai pas raconté une blague. Les gens refusent de se lever le matin, ils préfèrent dormir. Et moi, tout ce que je trouve à dire, c'est madame, le seul moyen que je vois que Jacob se lève. Sérieusement, je sais pas ce que c'est. Là, c'est ça. Et moi, que j'ai manqué, là. Je m'excuse pour tous les sacs que j'ai faits. C'est-tu assez immature, ça, pour avoir ce genre de crillon? C'est qui, c'est un cellulaire qui fait ça? Oui, c'est ah, c'est un peu. C'est OK. C'est spécial. Fallait bien que ce soit cette sonnerie-là, là, pendant mon petit temps. C'est fort, c'est fort. Comment est-ce qu'il s'appelle, ce petit bébé-là? C'est à vous, monsieur? Un retour en. On dit qu'à cet âge-là, on retourne en enfant. Ok, hey, on reprend, parce que là, je suis perdu un peu, moi, avec Jacob. J'ai pas pu les mettre à l'œil, t'es un peu, là. T'es avec la main de Jacob, c'est ça? Ah oui, la main de Jacob, c'est ça. Je... Elle donne certains des beaux yeux bleus. Et ça, ah oh, oui. Puis, c'est ça, elle dit, monsieur, je suis désolé, Jacob, il se présente, il refuse de se lever le matin, il préfère dormir. Et moi, tout ce que je trouve à répondre, je la regarde dans les yeux, madame, le seul moyen que je vois pour qu'il se lève le matin. Mais c'est pas ça. Ils ont me voyons, non? Alors, on va aller au local de ressources, toi, monsieur. Tu as ressourcé, là. Mais moi, ça me dérange pas de passer plus de temps que Maman Jacob est surchargé. Mais que Maman Jacob est là, comme je te dis, c'est votre plaisir pour vrai. Je veux pas vous blesser. Émotionnellement, ça va-tu présentement? Vous êtes pas une ange en rive de te fâcher de ma double tantôt? Il y en a qui sont fragiles. C'est un chat! C'est un chat! Oh, c'est un chaton!